Il y avait la gin tonic de Véronique et Davina. Il y a eu l'aérobic avec Jane Fonda. Voici le Nia avec Franca. Un peu de danse moderne, quelques techniques d'arts martiaux, beaucoup de fantaisie. Le Nia s'inspire d'une dizaine de disciplines différentes. Donc le tai chi, le yoga, différentes sortes de danse comme la danse jazz, la danse moderne. Puis hors de tout ça, ils ont gardé ces accords de mouvement de base. Et c'est ça qui est devenu le Nia. Plutôt que l'aérobic, le Nia se veut accessible à tout âge. Yannick, 45 ans. Moi, ça m'apporte de la joie. Eric, 54 ans. C'est plaisir, détente, quoi. C'est pas stressant, crispé, se dire est-ce que je fais bien, pas bien. Et puis Lou, 11 ans. Je me relaxe et quand je vais à l'école, bah, je fais des meilleurs poids. Il est vrai que le Nia promet de stimuler autant le corps que l'esprit. Donc on va ramener les personnes aussi à ressentir autant leurs émotions, autant leur corps. Donc d'avoir une introversion à l'intérieur d'eux, de mieux se connaître au travers du mouvement. Le Nia n'est peut-être qu'une mode de plus, mais elle a le mérite de faire bouger ses adeptes dans la joie et la bonne humeur.